Bonjour à tous, ici Alex d'Aventure Airsoft Lanaudière. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la peinture Nuprol, offerte en 4 couleurs dans le magasin. Nous allons vous faire une petite démonstration, qu'est-ce qu'on peut faire avec la peinture et votre arme. Qu'est-ce qui va être bien important, c'est d'avoir les bons outils. Il va falloir du papier sablé, un bon couteau et du tape de peinture. Il va être important à ce moment-là de soit protéger avec le tape de peinture ou d'enlever les petites pièces amovibles. Soit le mag release, la gâchette, nous allons aussi protéger avec le tape de peinture l'entrée du magazine. Aussi, nous allons protéger avec le tape de peinture l'entrée où est-ce qu'il y a le canon. Il va être important à ce moment-là, avant de commencer à peinturer, de donner un bon coup de papier sablé partout sur l'arme où est-ce que nous allons mettre la peinture pour qu'elle adhère mieux à celle-ci. Aussi, il va être important d'essuyer la petite poudre qui va s'en faire partout sur l'arme. On a mis du tape sur le bout. On en a mis aussi pour protéger l'entrée du magazine et pour protéger la chambre à pas. Nous allons maintenant démonter l'arme en trois parties pour faire trois différentes peintures dessus. Pour ceux qui ajoutent des nouvelles canettes à ce moment-là, il va être très important de brasser celle-ci avant de commencer. Et on va toujours faire un petit jet de test pour savoir la distance de peinture. À ce moment, c'est environ un 20 à 30 cm qu'il faut garder toujours. Et vu qu'on peinture chaque élément une à la fois, on va s'aider d'un support pour ne pas se peinturer les doigts. La peinture Nuprol sèche tout de même assez vite. On va y appliquer environ 2 à 3 couches dessus. On va laisser sécher toujours entre chaque couche. Maintenant, avec le lower, on va s'amuser à faire un petit principe de marquage simple avec le tape de peinture et les différentes couleurs que nous avons. Nous allons découper certaines formes qu'on a déjà faites ici pour ensuite les appliquer sur différentes couches du fusil. Assez simple, on va aller découper des formes vraiment à l'intérieur du mask and tape de différentes grosseurs, différents formats. Ensuite, nous allons les coller directement sur le fusil et nous allons faire plusieurs couches avec ceux-ci. Fait qu'assez simple, on se prend des petits formats, on s'en vient les appliquer un petit peu partout. Et on continue avec ceci. On a fini d'appliquer notre tape de peinture. À ce moment-là, il faut vraiment s'assurer que le tape soit bien collé, qu'il ne reste pas des petites bulles à l'intérieur. Après, nous allons continuer avec notre couche de peinture brune et faire notre première couche et continuer avec les autres couleurs. On vérifie toujours bien correct. Tout de même, un bon dégagement 20 à 30 cm. Et on continue. Notre couche de brun est finie. On a mis encore d'autres tapes de peinture et on continue avec la couche de vert. On passe encore un petit coup d'essai. On est rendu maintenant à la dernière couche, fait qu'on a encore mis du tape par-dessus. Maintenant, on est rendu à la couche tan. Encore là, des deux côtés. Fait qu'encore là, important, garder tout de même une bonne distance, 30 cm. Et on repart. Vous n'êtes pas obligé que ça soit parfait à la première couche. C'est généralement vers la 2e ou 3e couche que là, ça va vraiment mieux ressortir. Alors, nous allons enlever le tape de peinture pour révéler le final. Allez-y tout de même assez doucement pour ne pas faire relever la peinture ses côtés. Faites attention tout de même. Je vais vous le montrer de l'autre côté qui a déjà tout été fait. Alors voici le résultat final.
Donc, maintenant, on va faire la stock du M4 qu'on est en train de peinturer. On va essayer avec un Sniper Veil Scarf de chez Condor, en fait, de faire un pattern un peu snakeskin, écaille de serpent ou poisson, si vous préférez. Donc, on va l'enrouler dans le Sniper Veil. Simplement, puis on va essayer de mettre ça le plus tard possible pour avoir le plus d'ouverture. Simplement, pour que la peinture puisse adhérer ou vraiment bien pénétrer. Excusez-moi, ça se peut, j'ai de la misère avec la clip ici. Ça ne donnait pas. Ici, comme ça. Là, évidemment, on va commencer avec du vert, puis on va faire une transition avec du brun aussi. Donc, on va mettre un deux tons là-dessus, avec le tam qui sort en arrière. Ça devrait être quand même popé. On va commencer, toujours un petit test. Là, habituellement, il faut se tenir quand même assez loin, mais vu qu'on a un scarf, j'ai essayé d'y aller peut-être un petit peu plus près pour une ligne un petit peu plus précise. Donc, on va y aller de gauche à droite. Ça devrait être popé, ça. Comme ça. On va y aller avec un autre ici. J'ai pas pensé à ça, par exemple. Comme ça. Plus bas. Comme ça. Puis là, on va faire le brun en haut. Et en haut. Ça. Fait que pour le upper receiver, on y a mis un petit peu de végétation par-dessus. On a mis des feuilles de cèdre et des petites branches à ce moment-là. On va y appliquer de la peinture verte. Faudra vraiment le faire d'un coup, en fait. Fait que d'en étaler le plus possible, sans bien sûr faire de coulisses. Fait qu'on va vraiment faire de longs allers-retours tout le long. Fait qu'encore là, on brasse bien, un petit test, et on y va. Faudra vraiment y aller plusieurs fois à ce moment-là par-dessus. Voici ce que ça donne. Alors voici le résultat final de la peinture qu'on a réalisée. C'est sûr, on n'est pas des professionnels. On a appris en même temps de tout faire cette peinture. Vraiment, les points qu'on a appris, c'est utiliser vraiment un papier sablé très robuste à ce moment-là, très rough. Faire attention aussi où est-ce qu'on va peinturer. Faites-les dans un endroit clos ou quand il n'y a pas de vent. La peinture sèche extrêmement vite aussi. N'oubliez pas de vous mettre aussi un masque pour ne pas respirer la peinture. Ça pourrait être tout de même assez toxique. Sinon, aussi gardez tout de même une bonne distance quand vous peinturez. Alors, merci et bonne journée!